Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle pour tantôt. Nous commençons avec grand titre. Président Faure, nous visitons une dizaine d'institutions, nous parlons aujourd'hui. Et hier, il était présent pour 24 familles qui recevaient la clé sous la case pour le nouveau housing estate l'Union de la Digue. Le cinquième jour, son deuxième session. Commission La Vérité, Réconciliation et l'Unité Nationale. In aujourd'hui, écoute six dimanches. Ministère de l'Environnement, l'Énergie et Changement Climat, il lance un nouveau application pour le public, à capable d'en une autre façon d'interacter avec les autres. Et c'est le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui gagne un prix Nobel pour la paix 2019. Nous présentons le bon détail de ce bulletin. Don Bagaz, mon contracteur qui travaille avec LWMA, y a un conseil qui est responsable de sa l'agence, il met devant le président Danny Faure l'état qu'il visite au bureau de bâtiment Pension Fund Pralin. En tout, président Faure y visite une dizaine d'institutions. Visite président Faure y concentré de bâtiment Fonds Pension, contenant plusieurs agences gouvernement et aussi privées. Il t'a accompagné lors sa visite par secrétaire d'État pour les affaires présidentielles Aude La Baleine parmi les autres. Il t'a commencé côté bureau l'emploi, côté là il passe un peu le temps et interacté avec bon travailleur. Président Faure, tu visites bureau l'agence qui est salté LWMA et responsable opération pour prendre la digue Stéphane Germain, tu mets certains conseils devant lui. Nous réaliser pour dire bon contracteur, j'ai besoin grand il y a certains capacity building pour être capable vraiment faire de l'ouvrage plus bien et aussi connaître ce que je fais parce que nous réaliser ce qui est bon contracteur, il y en a beaucoup d'autres qui peut-être n'ont pas sa habilité pour être capable de maintenir un contrat ou peut-être les contrats, elle dit qu'il y a un contrat qui peut être perdu et là il y en a beaucoup pleuré, il y en a l'âme et il y en a beaucoup qui viennent en mer et qui, moi pense si ils ont gagné un power. Et moi, quoi, vous dites quelque chose pour marcher dans l'autre sens. Ensuite, le président, avec son délégation, tu visites le bureau commerce libre, FTC, et là, tu gagnes un accueil par bon travailler sa bureau. Nous sommes bien contents que le président passe contre nous. Et nous avons regardé que nous étions ici, contre faire trading, à cause de notre petit office. Donc, il y a un sens pour nous, avec nous, regarder qui est bonne chose, qui est bon accomplissement que nous avons. Mais nous n'avons pas beaucoup de conseils à cause de nos grandes bonnes corporations avec nous, l'office, l'OMAE. Mais nous disons que nous avons un petit peu de problème de ressources qui ne sont pas tout. Ils rencontrent ce problème. C'est à part de ça, tout quelque chose est OK. Sa délégation est aussi visite l'agence de l'entreprise CECEL, la commission Reveni, la Banque Développement, bureau de l'État civil et bureau ministère de l'Habitat, l'Infrastructure et le Transport de la Terre. Nous mettons une constante. Devant, bonne constante par finance, bonne constante même power. Et l'in dit nous pour dire il pour faire son mos qui quand même pas trop dans son comment nous dire dans son capacité pour approuver l'argent, mais seulement il pousser son mieux pour les cas mais available. Après aussi nous cause l'osa l'office, un nouveau office qui pourra entrer bientôt, LRP, l'energy registration project qui pourra nous parler. Il met l'emphase là qui ça y est poussé, ça y est arrivé à cause à la fin du jour là ça peut arriver et pour nos beaux sortes de problèmes la terre la case qui en a. Sa visite présidentielle qui termine côté bureau d'administration district Grand Anse. Gouvernement reste engagé pour construire plus la case pour son pour bon citoyen, c'est ministre pour affaires la famille Mitsi Larue qui dit ça côté l'Union Housing Estate la digue. Après qui 24 familles s'ont recevoir la clé de la case, c'est la compagnie Ascense Project Construction qui n'a si construction s'apposer et s'apposer une coûte gouvernement et somme 34,6 millions roupies. Sa 24 familles qui nous bougent dans notre nouveau la case, l'Union Estate de la Digue, une suivre système point que le gouvernement a introduit par location la case, dépend aux besoins de chaque famille. Sa projet qui tombe dans le programme 24 la case de 24 districts de 24 mois, il y a une initiative président Danny Faure et c'est la terre que sa housing estate y trouvé, il y a retiré avec l'Union Estate et subdivide pour capable construire. Projet qui commencé la fin octobre l'année passée et il prend Ascent Projects 11 mois pour compléter.
dans l'absence d'un ministre responsable pour l'habitat, la terre, l'infrastructure et le transport de la terre, Pamela Charlette. C'est ministre pour les affaires de la famille, Mitsi Larue, qui t'adresse à nos locataires pour sa l'occasion. Et tu dis que le gouvernement est resté engagé pour construire plus la case pour son citoyen, malgré y en a un manque de ressources. Gouvernement, en bas guidance président Ford, peut travailler très dur pour qu'il rêve toute famille pour dans notre propre la cour et vienne une réalité. Disparaît pour les autres là aujourd'hui. Mais en même temps, ressources pas permettre qu'il nous assiste toute famille à la fois. Mais gouvernement, il reste engagé pour construire plus la case pour nos citoyens. Il faut noter qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui en a un programme logement pour son peuple. C'est ministre Larue, ensemble avec le président Faure, qui dévoile plaque pour officiellement ouvrir sa nouvelle estate. Ensuite, ça va nous quitter l'Union Housing Estate, qui recevra les autres lacrées. Nigel Siméron dit qu'il s'est senti soulagé après 35 ans qu'il espère la case. Je suis vraiment content. Après, je peux espérer tout le temps. C'est le moment de dire comment dire les gens. Par exemple, je peux attendre que vous avez des contributions. Par exemple, je peux payer tous les moments que je peux payer. Après, je peux dans 6 de 25 ans pour nous gagner la case pour nous-mêmes. Je peux dans 10 ans pour moi-même. Content de payer. Oui, oui, oui. Okay. Qui met ça à pour les autres gens qui peuvent espérer la case quand on est bon pelé, les autres peuvent espérer. Nous mais les autres peuvent prier bon Dieu, pas désespérer. Si c'est notre contribution réellement, nous pouvons quand même gagner. Tandis qu'Issam et Utah Souri, pas encore visité de nouveau la case, mais autres aussi sont vraiment contents pour gagner les autres la clé. Nous contents pour 5 ans que nous peuvent espérer. Moi, je suis bien fait pour ce voyage. It's very nice. Bon la clé quoi de mon amie là, pour ça que mon parquet est un coup moi y été. Secrétaire principal pour l'infrastructure, Yves Chopi, il dit qu'il problème pour gagner terrain pour bâtir la digue, il restait un défi. En tout de ça une projet, il y en a 24 units qui vont semi-detached flat 3 l'ensemble et une coût de gouvernement en somme 34.6 millions roupies pour ça une projet la case. Pas une spécifique housing estate dans tout district, la digue aussi dans son demande. Et la digue en bonne difficulté, c'est gagner terrain pour nous faire construction. Mais avec négociation avec l'Union Estate, nous avons beau IMAX à bout de terrain, quand nous avons beau faire 24 units. Et dans ce bout de terrain, à l'avenir, il y a un petit morceau qui prend un petit land bank. Et ça pose une aide qui est assez bien. Once nous commençons la construction, c'est moi bien sûr qu'on est la digue pour construction un PO. Alors, il n'y a pas un besoin que tu commences des suites. C'est pour ça que nous avons des défauts pour nous apprendre pour qu'il accepte pour nous faire. Aujourd'hui, Commission La Vérité, Réconciliation et l'Unité Nationale, une écoute systémone dans sa 6, 4 là-dedans, une déroule en privé. Les deux qui ont session, une déroule en public, c'était Dr. Maxime Ferrari et Dolor Enesta. Bon matin, c'était Dr. Maxime Ferrari qui est venu devant la commission pour répondre à une question concernant son nom qui est monté dans certains bons cas qui ne passent devant sa commission auparavant. Dr. Ferrari dit qu'il est content qu'il ait un sens pour venir devant sa commission pour venir éclairer si bonne instance que son nom il a mentionné. Un monsieur qui n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Il dit que monsieur René, il dit que lui, que moi, mon dieu, que monsieur René, tout et tout son famille. Et alors, ce qu'ils vont répondre, c'est que. Et M. René, il dit qu'il sauve son avis parce qu'il n'y a pas de fer qui m'a mangé. Et ce n'est pas possible parce qu'ils m'ont pratiqué aucun jani, moi, avant le coup d'État. Les premiers jani qui m'ont tendé, qui ont vraiment noiré, c'était Bérard, celui qui t'y gaitouillait. Donc, c'est absolument faux ce qu'il dit. Moi, pas qu'on ait quelqu'un qui me met ça sur la tête. Mais voilà. Il y en a l'autre du monde qui se dit on donne piqué. On fait comprendre. Il y en a du monde que c'est pas vrai du tout. Qui, depuis longtemps, il y a une rumeur qui m'ont dit une pilule le soir du coup d'État. Et moi, je demande un samedi du monde qui est dans le coup d'État. Qui ça a fait pilule là, il te dit moi. Je t'ai gagné un pilule, je t'ai distribué un petit pilule. Ils m'ont dit pas comment tu étais à pilule. Il m'a dit blanc comme une aspirine. Et ça, avec un petit topé de whisky, le petit gars. Pourquoi, par exemple, si Dimouni invente ça? Pourquoi je dis moi? Alors que moi, je ne prends aucun pas actif dans l'affaire Coulibaly. Mais c'est parce que c'est normal de croire que
si on est docteur parmi la groupe, c'est le meilleur groupe qui a donné sa piquée. Et après-midi, l'autre session qui se déroule en public, qui Kodo Lorenesta, qui vient répondre à question commission, lui aussi, qui dans 5 cas, un couple non, il mentionne son nom concernant l'acquisition de la terre. Pour expliquer à cause que le gouvernement fait acquisition certaine la terre, M. Anista, il fait ressortir que depuis qu'il est temps qu'il s'est sorti de la colonie britannique, il y a une acquisition de la terre forcée. À cause pendant le temps qu'il s'est sorti de la colonie française, la majorité de la terre, c'est celle qui a été partagée avec une grande famille française. Pour nous faire Dame Lagog, il y a besoin de faire compulsory acquisition. À peu près plus que qui s'en rappelle. Et mon pouvoir colonial, tu payes un peu plus qu'un million de roupies à l'État. Pour nous faire Airport Pointe-Larry, nous avons besoin de faire compulsory acquisition avec des propriétaires. Pour nous faire Logan Hospital, la DIG, pouvoir colonial, tu as besoin de faire compulsory acquisition. Si je ne suis pas trompé avec la famille Mamzel Berlouis. Pour nous construire Campoul, en Sopin, pouvoir colonial, tu besoin de faire acquisition. Et M. Anista a dit que ce qui est important pour reconnaître ses difficultés et réticences pour faire acquisition de la terre, à cause de la terre, il représente l'argent et pouvoir. Dans le contexte de nos pays, c'est celle qui est la meilleure façon pour nous démontrer ça. Qui bandit monde, qui parti propriétaire, s'il n'a pas droit à voter jusqu'à 1967. Et le temps, un nouveau système qui commençait en 1977. Beaucoup de monde qui peut respecter, quelque chose arrive. Certains de monde. Donc tu peux respecter, basé sur sa situation, Monsieur René, tu peux faire ce qu'on appelle une nationalisation. La masse nationalise tout dans la terre. Monsieur René, dans ses efforts, et ça qui tient envie de faire, c'est qui commence un programme pour donner possibilité à tout le monde, autant que possible, premier, commencer que sur la terre, que sur la case. Mon public, pour la pression capable de rapporter différents cas avec le ministère de l'Environnement, l'énergie et le changement climat à travers son nouveau app. Sa ministère lance sa plateforme avec la presse pour matin. Secrétaire principal pour l'environnement, il dit que sa app y a une autre option qui dit qu'on est capable de servir pour mettre tout conseil devant APAD qui donne les autres façons qui déjà existaient. Ministère de l'Environnement, l'Énergie et le Changement Climat est déjà dans son page Facebook, côté Mouni rapporte bon différents quelque chose qui soit illégal ou soit qui simplement désagréable, qui peut arriver un peu partout dans le pays. Sa ministère est aussi dans son Green Line qui est opérationnel 24/24, côté Mouni téléphone pour faire sa bonne qualité rapport. La plupart des temps, il y a quelque chose qui besoin de réacter l'eau là, ou soit ISIS pour l'information, sa ministère. À part Green Line et page Facebook, sa ministère aussi a son website côté moni capable communiquer avec vous à travers email pour continuer bouse avec technologie, garde sa communication avec public et donner l'autre option, là sa ministère décide lance son app. Il y en a certains pays qui fait ça, il pas beaucoup. Mais c'est en lien avec qui comme là nous public, nous dit moni très éduqué en relation avec Internet, médias sociaux, IT lui-même. Donc, je commence avec ça, c'est une idée pour commencer à explorer une plateforme, ou soit pas une idée en anglais, une app online ou Internet, que vous êtes capable de rapporter quelque chose, ou soit soumettre portrait, ou soit un short vidéo clip avec nous pour nous servir dans notre travail. Et ça, c'est une idée, si tu viens, quand nous commençons à travailler nous avons une idée ensemble avec le département d'ICT pour commencer préparer sa l'architecture qui aujourd'hui nous peut présenter avec vous autres.
Sa nouveau plateforme appelée EcoAlert, il gagne fait pour servir le téléphone, mais il est aussi capable de servir le computer ou le laptop, cyber l'équipement électronique qui gagne accès avec Internet. Et M. Dekoumaman indique qu'ils ont pour conseiller améliorer pour faire les vignes plus interactives, tel que créer un icon que les gens capable de gagner accès avec un vêtement. Il indique que pour le moment, ils ont pu encourager le public pour continuer à servir Green 9 pour bonne qu'à à cause de réaction pour plus vite que ces autres services à app. Lundi, on peut soumettre un quelque chose là, il peut venir à travers un email côté ban staff relevant. Pour le moment, les nous dans celui-là, il peut n'a pas un instant notification par exemple à travers un texte ou soit un pop-up comme ça pour qui ça officiel au côté de l'éducation ou ça les autres officiers qui pourraient avoir une information comment quelque chose est entré. Il y a un petit tapaz qui est ça, il y a l'eau là. So pour le moment, il n'est pas pour comme ça. So c'est ça qui nous permet croiser ma public. Continuez à servir Green Line, c'est quelque chose easy. Because Green Line, call et allez répondre. Et M. Dekoumaman dit que sa plateforme n'est pas juste pour aider les autres à réacter le bon rapport, mais aussi une façon pour capable collecter l'information et statistiques pour les autres propres ministères, voir côté les autres défaillances et travailler pour réduire sa bonne incident. Il peut demander au même public pour servir sa plateforme bien. Dis-moi qui voulait servir sa app pour besoin à le site web ecoalert.gov.sc. SAIF donne la bourse des étudiants CCLois qui peut étudier la science de l'environnement le niveau BSc côté l'université CCL. Shannon Ibon et Ella Nancy in recevoir la bourse professeur David Stoddart. Tous autres frais scolarités pour être payés par SAIF pendant qu'ils ont payé étudier côté l'université CCL. SAIF a fait la bourse tous les ans et bon étudiant CCLois qui ont choisi pour étudier la science de l'environnement côté sa l'université. Sa la bourse est nommé après professeur Stoddart, un géographe anglais qui fait l'étude le bon récif corallien et bon atoll. David Stoddart a aidé à mettre en place une station recherche sur l'atoll Alabra et aussi protège sa atoll contre l'établissement et base militaire là-bas. Dr. Frauke Fleischer-Dogley, chef exécutif SAIF, indique que SAIF est content qu'ils se donnent sa bonne la bourse avec bon étudiant prometteur dans les carrières conservation. Shannon et Ella, si des employés SAIF et les autres types de travail avec site patrimoine mondial l'UNESCO, Valédmé et l'atoll Alabra. Il y a la compagnie Seychelles Breweries qui a rapporté que son performance financière pour 2019 est qui vraiment fort quand il a enregistré l'augmentation de revenus et profits qu'il fait. En résultat sa performance, il propose pour donner l'augmentation 87,5% comme un dividende le bon part. Seychelles Breweries peut aussi considérer export son la bière à l'étranger. Seychelles Breweries in Salonnais fait une performance vraiment bien, côté n'a massé revenu 432 millions roupies, dans qui 112 millions y sont profits sans taxe. Ça est comparé avec l'année passée, côté qui fait seulement 62 millions roupies comme profit et 28 millions en 2017. Directeur exécutif Seychelles Breweries Nicolas Coe qui dit ça ne vient en résultat l'investissement qu'ils ont fait de sa business. The main things that have been driving our performance is number one, our continued investment in our supply chain. So we've invested a significant amount in the brewery over the last 3 years, and the main focus of that has been all about driving quality of products. We've also upweighted our investment in our people, and we've focused hard at growing their capability and their development, and that's paying back for us as well as they grow. The third thing that's really been a big driver for us is obviously innovation. And then the final area is our investment in our brands. Our investment in our brands 3 years ago used to be less than 1% of our turnover. Now we will invest this year over 18 million rupees into the brands. And that's a great testament to the... Tout bonnement la vente produit ces chasses brewers, il fait bien. Si tout le monde produit l'alcool et aussi soft drink. Beer was increased by 9%, and that was underpinned by our improvement in supply and availability and our continued focus on quality. Our draft business as well grew 53%. Our CSD drinks grew 10%, of which Say Pearl was plus 20%. And our spirits portfolio grew 6%.
Avec sa bonne performance financière, Seychelles Breweries, Tessalonais fait une augmentation de dividendes qui paye sur bon actionnaire. Ça sont pour besoin gagner approuvé pendant un contexte général annuel sa business qui pour faire à la fin l'année. We recommend a final dividend of 2.25 rupees per share, and that will take the total for the year to 3.75, which is great news for shareholders. That's an 87.5% increase on last year. You know, ever since I've been here, we've talked about how we've been in an investment period, and that's the truth. We have. We've been investing heavily. But it's great to see that now we can start to take that back to our shareholders. Le côté quoi qui peut affecter les autres business, c'est Seychelles Breweries tout de même accueille un compétiteur local qui lance dans sa industrie. Mais ça qui concerne avec ces bons produits qui sortent à l'étranger et qui pas original. The main issue we have is actually imported beer, and it's high strength beer. So the 12%, 14%, 16%, even 18 and 20% beers that are out there. And I'm trying to work with the government to say, we need to stop this. Actually, these are the things that are doing real damage. And through the national alcohol policy, I'm really hoping that we can address that. Seychelles Breweries peut considérer pour exporter son la bière à l'étranger. Pour commencer, il peut faire ça dans trois pays, Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Australie. But the main challenge is about cost. And for us to compete on an international scale, the problem we have here is everything is kind of imported, so it's expensive to produce here. So if you're going to bring stuff in, make it, and then export it, it's very difficult to compete on a global scale. So honestly, what I've been asking for and talking to the President and the Finance Minister is, help us. Find a way to help us, whether that's in a tax incentive or something, because this is incremental business that we can bring into Seychelles. It's incremental foreign exchange that we can bring into Seychelles. So help us. And they're listening. They are trying to help. We just don't have solutions right now. Monsieur Cookin, tout le monde réagit par le consommateur qui est en assez produit dans d'autres stocks pour fournir marché local. Il peut demander tout le monde à un public pour retourner avec mon shopping. Pour renforcer stock de bons produits, surtout la saison festivité peut approcher et qu'ordinairement la vente est beaucoup. Membre fermier Seychellois, il souhaite que plusieurs membres de l'Assemblée nationale prennent discussion les bonnes contraintes et défis qu'ils ont rencontrés et qui existaient dans l'industrie de la culture. Pendant sa rencontre, M. Barry Norris s'est fait une présentation concernant les bonnes contraintes qu'ils ont pu faire face avec, qui besoin de prendre en compte et de résoudre pour que le secteur agricole y développe soutenablement et efficace. Il expliquait que la qualité de l'information qu'ils en ont pas fiable et il manque ressources dans ce domaine et ça peut affecter sérieusement le développement de la culture dans ce sens-là. Même fermier Cécile, il a aussi senti qu'il y en a besoin pour réviser les conditions de bail de la terre de la culture. Et c'est une complainte le manque de direction de l'agence de l'agriculture pour implémenter une vision claire et un plan pour sa secteur. Bon représentant, il demande même l'Assemblée pour prendre en compte un bon point qu'il va y mettre devant comme un autre rôle pour voir si ça qui exécutif peut faire et prendre en compte concerne qui peut augmenter concernant sécurité alimentaire et production mangée locale d'un plan de développement national. Même l'Assemblée nationale, c'est une opportunité pour demander de fermer les questions pour qu'ils comprennent plus bien la réalité commerciale. Quatrième édition compétition History Fair est lancée officiellement aujourd'hui. Lancement sa compétition est fait contre l'Institut pour bon enseignant site bon matin à travers l'exhibition. C'est la CIV nationale du département Kilti qui peut organiser sa compétition. Il fait quatrième fois que sa compétition History Fair, qui fait tous les deux ans, il gagne organisé. Cette fois-ci, thème pour compétition est basé le 250 ans depuis l'établissement ici Seychelles en 1970. Sa compétition, l'histoire Seychelles qui lancée bon matin, est organisée par l'Archive nationale de département Kilti. Il y a l'événement qui nous fait tous les deux ans en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Côté bonne maman, nous donne un thème, bonne maman fait recherche sur là et sa bonne recherche quand il fait, je demande lui comment bonne poser qui après plus tard sa bonne recherche qu'ils ont fait, nous gagne pour mettre dans l'archive, comment bonne façon pour nous préserver nous l'histoire qui bonne enfants qui viennent demain, il facile pour autres pour connaître côte pour aller pour autres connaître qui n'arrivé dans notre pays c'est ça.
il y en a différentes catégories pour sa compétition. Catégorie pour primaire, secondaire, post-secondaire et catégorie ouverte pour les adultes. Vous pouvez venir avec un épistéâtre, vous pouvez venir avec un documentaire. Ou vraiment, ou qu'avine avec, moi je connais mon petit bon poème, quelque chose comme ça, ou qu'avine avec. Et là, il y a un panel of jury qui nous s'était. Je vous dis, c'est bon ça. À cause de sa pose, il dit, oui, il y a plusieurs coups pour nos cavernes. Mais voilà, nous avons l'idée, au moins l'idée, avant vous, que tu peux mettre dans notre projet. Et après aussi, pendant mon petit bout d'un, après pendant un stop, Captain Webb's Award. Captain Webb's Award, ça a commencé depuis longtemps, par exemple, la 4e édition qui se fait là, hein. Et puis avant, il y a le Captain Webb's Award. Et ça, c'est Captain Webb qui est Sadie Moon, qui a fondé Archives. En 1964, il a créé Archives, c'est littéralement ça, Archives. Il a rassemblé des documents partout. Et il a créé ça, Archives. Alors, on dit qu'il est important qu'il nous donne sa recognition, qu'il nous donne sa award. Il a capable d'avoir un floating cap, un floating shield. Vous savez qu'il y a un monétaire, un prix monétaire. Participants, il y en a jusqu'à le 18 octobre pour soumettre sur l'application. Dernière date pour soumettre sur le projet, il est 20 l'année prochaine. Et pour première femme pour venir Captain Bateau, ici Cécile, dans sa reportage, nous faisons connaissance avec Marie-Jeanne Patton. Il fait 1 an et demi déjà depuis qu'il s'est officier Marie-Jeanne Patton et patron le bon bateau 4 Coco. Son responsabilité, transport passagers, parfois plus que 350, le bon zil processé là. Une grosse responsabilité pour Marie-Jeanne Patton qui a besoin de plus d'efforts qui bon hommes pour capable prendre commande et bateau. Le passager est un petit peu de joindre bateau, je te félicite. Et je t'approche pour un fille comme si on arrive à côté. Dans la carrière maritime, c'est tout le bateau passager qui veut monter et descendre. Il réussit à gagner son place dans sa domaine, quand en général, il y en a un grand entourage homme. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y en a un respect sur l'équipage. Marie-Jeanne est un bon collègue qui travaille avec. Nous tenons à nous respecter. Il y en a un grand respect pour lui. Là, il a, nous travaillons vraiment bien. Nous travaillons bien ensemble. Bonne passage, content pour voyager avec Marie-Jeanne. Et l'équipage aussi est fier pour travailler à côté de lui. Il est content, proud. Et à cause de mon désastre avec Marie-Jeanne avant, mon petit lotin avant. Et il tient sa passion pour travailler au Lambert. Mon content pour voir sa madame comme un capitaine de bateau. Comme un séchéloise et mon fier qui continue son étude comme un capitaine. Le madame vient capitaine aujourd'hui, un symbole qui au terrain arrivé et qui volume développement dans nos pays. Pour propriétaire 4 Coco, ça y est une nouvelle étape envers l'égalité entre hommes et femmes de son accompagner. On voit ça comme une révélation, balance, ban, gender dans nos compagnies. Long overdue. Et sa madame, ça a une vie avec son détermination, et pas shy off, elle travaille un petit peu plus fort pour faire. Il arrive, il rentre, balance son poids, il donne son bon exemple. Et avant de terminer la nouvelle, nous revoir bonne grande cite. Président Danifo, il visite une dizaine d'institutions le pralin aujourd'hui et hier, il est présent quand 24 familles qui recevront la clé de la case pour le nouveau housing estate l'Union Lula Diga. Le 5e jour, son 2e session, Commission La Vérité, Réconciliation et l'Unité Nationale, il écoute Sistimone. Ministère de l'Environnement, l'Énergie et Sciences Climat, il lance un nouveau application pour le public à capabonner l'autre façon pour interagir avec d'autres. Et c'est le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui a gagné le prix Nobel pour la paix 2019. Nous arrivons à la fin de ce bulletin. Merci pour suivre.